Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passepain et nous nous retrouvons enfin dans Super Smash Bros. Brawl. Non, Super Smash Bros. For Wii U. Attention. Donc, petite vidéo découverte de Super Smash Bros. For Wii U. Vous vous demandez, mais pourquoi une vidéo découverte de Super Smash Bros. Alors que. Bah, je l'ai quand même pas mal fait. Bien, tout simplement, c'est pour un DLC. Et puisque il n'y a pas longtemps, j'ai acheté. 3 personnages, 3 DLC alors, et dont un personnage c'est Mewtwo, bien sûr. J'en avais sans doute parlé dans une précédente vidéo de Mewtwo. Je disais même que c'était une honte que de pas le mettre sur m'a dit directement, quoi. Parce que franchement, il y était dans Melee, donc je comprends pas pourquoi il est pas directement mis dans cette version for Wii U. Et 3DS aussi. Mais bon, c'est pas grave, on l'a eu en DLC. Et sinon, il y a aussi Roy de Fire Emblem qui était aussi dans Melee. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, juste voir ces deux personnages en HD, voilà. C'est la petite nouveauté. Mais surtout, vous allez jamais y croire. Ou en tout cas, ceux qui ne suivent pas l'actualité de Super Smash Bros. Il y a Ryu, le combattant de Street Fighter. Ah, je suis sûr que là vous êtes en train de vous marrer, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous allez le voir, Ryu. Je me demande ce qu'il fait là. Mais bon, en même temps, c'est Capcom, hein, comme pour Megaman déjà, c'était assez bizarre de le voir, Megaman, mais d'un côté, bon, il était sur NES. Et puis Ryu, voilà, le voici. Il est beau, c'est un beau gosse. Mais on va essayer de Mewtwo, hein, au début. Donc je vais faire un mode. Je vais faire un mode classique. Attends, c'était où déjà? Parce que je comprends rien moi ce menu. Ce menu est tellement bordélique, c'est dans extra. Et voilà, classique. Donc on va faire, je pense, le mode classique avec ces trois personnages. Je sais pas si ça fera trop long. On va commencer avec Mewtwo. Je sais pas si je mettrai ça en vidéo découverte ou plutôt une petite vidéo défi, hein, je sais pas, un défi Kong.
Oh, ou non, je mettrai vidéo découverte. Vu que c'est des personnages que je découvre. Même si Mewtwo, je pense pas que ses coups ont trop changé. Ah bah déjà, y a Ryu. Attention, il y a Ryu sur le ring. Enfin, dans le ring plutôt. Ou sur le ring, oui. Je me confonds. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours un peu bordélique, surtout que là on est à 8, c'est la grande nouveauté de ce Super Smash Bros. Mais bon, je trouve ça un peu bordélique à 8. Déjà qu'à 4, on était déjà assez nombreux comme ça. Je vais finir par tomber, moi. Mario, il se fait un peu balader, hein. Je vais pas être méchant, mais il voit rien en ordi, hein. Ah purée. Pour la petite info, je joue avec la manette Controller Pro Bidule Chouette. La manette Xbox 360 version Wii, et je me suis fait défoncer. Ah purée. Très bon pad, mais là je me montre pas trop parce que je joue comme une bouse. Je l'avais pas trop aimé sur GameCube, hein, ce perso, mais je crois que c'est un peu la même chose là. Et l'autre qui a son Super Smash, je suis dans la merde. Ah ça va, c'est pas moi qui ai touché, hein. C'est Megaman qui en prend plein la gueule. Alors moi j'étais à côté, hein, je faisais mumuse pendant ce temps. Avec les arbres. Magnifique modélisation des arbres. Donc voilà, à chaque fois qu'on termine une épreuve, hein, dans le mode classique, un combat. Eh bien, on récupère quelques bricoles, voilà. Ah, par exemple, là, des équipements pour l'amiibo ou le Mii. Ou aussi juste un combattant qu'on veut former. Mais bon, ça, je vais plus vous expliquer ça dans le vidéo test. Bon, et puis là, on choisit nos adversaires sur un plateau de combat. Et vous avez vu qu'il y avait une petite roulette en haut. Enfin, il fallait en fait appuyer sur la clé à molette. Parce que la clé à molette, pour moi, c'est le meilleur truc. Parce que c'est là où on récupère en fait des nouvelles techniques pour nos personnages. Enfin, pour les combattants. Je crois qu'avec Donkey Kong, j'ai presque toutes ces techniques. Purée, je me fais défoncer. Mais voilà, les techniques sont très difficiles à débloquer, hein. Et j'ai plein de techniques de rondoudou, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où elles sortent, hein, ces techniques de merde. Je prends jamais rondoudou, mais on me donne tout le temps des techniques rondoudou. Faut m'expliquer. Un perso complètement inutile. Ah, ce fut une victoire magnifique et écrasante de Mewtwo. Ah non, j'ai pas une nouvelle technique. Là, c'est juste un équipement. Mais bon, c'est avec ça qu'on peut quand même trouver des techniques. Ouais. Donc il faut la clé à molette. Donc là, c'est combat par équipe. Donc on choisit. En fait, là, c'est tous les trophées là, qu'il y a ici. Ce sont tous les combattants que j'ai vaincus jusqu'à présent. Donc, on va prendre le petit Donkey parce qu'il est toujours en forme. Et c'est tout, on pouvait en prendre qu'un. Et là j'ai fait je suis tombé sur le vert, donc ça veut dire que je vais avoir deux trophées. Voilà. Le vert avec x2, c'est deux trophées. Bon, c'est moyen, mais bon. Et je ne vois rien du tout. Est-ce qu'il est mieux foutu dans cette version Wii U par rapport aux versions précédentes, enfin par rapport à la version Wii ou GameCube, c'est que. C'est que quand on fait les combats par équipe, on voit très bien qu'on est équipe rouge ou équipe bleue, hein. Vous voyez que on est entouré d'une aura rouge ou bleue ou verte, voilà, la couleur de l'équipe correspondante, et donc c'est voilà, on s'y retrouve mieux, quoi. Ce choix sur GameCube, c'était juste les vêtements qui étaient plus rouges si on était équipe rouge, des couleurs chaudes. Ou équipe bleue pour couleur froide, enfin
Et puis bon, on reconnaissait pas forcément les équipes. Ok, je vole, je sais pas pourquoi. Hein. C'est Échec qui nous fait du freestyle. Ah, ça fait une victoire. Du grand new tout. Mais bon, on a mis juste en difficile, c'est facile en fait. J'aurais dû mettre plus, mais. Je savais pas que j'allais aussi bien me démerder avec Newtwo. Bon, c'est un perso avec lequel je me démerdais assez mal sur GameCube. Pourtant, j'essayais de. Je me disais que c'était un combattant hors pair, mais si on arrivait bien à l'utiliser. J'étais un gros noob avec lui, moi. Sur dans Melee. Pourtant, j'essayais, voilà, de. De le prendre, d'apprendre ses compétences. Qui était pourtant pas mal, mais voilà, c'est un perso assez spécial, quoi. Bon, j'ai l'impression que là, ils l'ont un peu amélioré, quoi, niveau puissance. Parce que sur GameCube, il était... ses coups étaient beaucoup moins puissants que ça. Hein. Si vous avez pas reconnu, c'est Dunk Hunt sur NES. C'est là, c'est le jeu qui utilisait l'espèce de petit pistolet, là. C'était une révolution à l'époque. J'arrive, je vous fais défoncer. D'ailleurs, il y a le petit chien-chien hein, dans le jeu. Le Hunt, là. Je crois qu'il s'appelle. Purée. Bah, il duck ses canards, donc je pense que c'est Hunt. Ah non, mais la bombe en plein milieu. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi le perso Shulk de Xenoblade. Un très bon jeu de la Wii. Xenoblade Chronicles. J'ai d'ailleurs mis 6ème dans mon top 10. Allez, Zapper dernier cri. Voilà, c'est le Zapper. Le petit pistolet. De la NES. C'est la classe. Et donc là, vu que j'ai aussi défoncé quelqu'un avec un ticket, ben je peux avoir un... Voilà, j'ai récupéré un ticket pour passer gratuitement, voir créer à main, voilà. Mais bon, ça je vous expliquerai dans le vidéo test, parce que c'est un peu compliqué. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, voilà, vous devez savoir. Ou peut-être qu'il y a déjà eu plein de vidéos test sur ce jeu-là, ça m'étonnerait pas. Voilà, pour moi, ce Super Smash Bros. For Wii U, ils sont pas trop cherchés pour le nom, eh bien, c'est le meilleur jeu de la Wii U, tout simplement. Ah, je disais avant, purée. Bon, sauf qu'il y a des objets cheatés, des fois. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever les objets, et bah, comme tous les Super Smash Bros. Et aussi, on peut combattre sur des arènes, ça c'est une nouveauté, on peut combattre sur des arènes... complètement plate. Par exemple, cette arène là, on peut la rendre plate si on prend le mode de DF ou un truc du genre. Je me fais, j'y crois pas, j'ai perdu. J'ai perdu contre un perso tout pourri. C'est Mister Game & Watch, quoi. J'ai perdu contre une mousse comme ça. C'est incroyable. Continuez. Bah, continuez. Suzaku Castle. Castle. Le château de Kushikama. Je parle pas japonais, donc voilà. Purée. Oh là. Ah, il est en forme, Roy, là. Ah, ça c'est... En plus, il y a un très bon thème, là, en fond. Le thème de purée. Le thème de la route arc-en-ciel sur GameCube. Meilleur thème de la route arc-en-ciel pour moi. Sur la meilleure console ever. Purée. Je me fais défoncer par Game & Watch quand même. Faut le noter. Un perso bien pourri. Et pour ça, je te fais une chop. Mewtwo, il est tellement beau gosse, mais il se fait défoncer par une merde. C'est assez comique. Perdu, non mais c'est quoi cette blague?
Ah oui, j'avais oublié. Quand on perd une fois, et ben on peut perdre aussi quelques objets qu'on a récupérés précédemment. Et à chaque fois, à la fin, on est contre plusieurs mille. Bah c'est un peu comme sur GameCube, on était contre plusieurs adversaires là qui ressemblaient un peu à rien, là. Des espèces d'hologrammes. Et sur Wii, on était contre quoi déjà? Bah je crois que c'était à peu près pareil sur Wii. Des persos qui ressemblaient un peu à rien mais qui faisaient les mêmes coups que nous. Ou que certains combattants du jeu. C'est des pauvres copies mal faites. On va un peu jouer au foot. Le ballon de foot qui est apparu dans Super Smash Bros. Brawl. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Ah, ça, c'est une nouveauté. C'est un objet complètement cheaté. Mais moi, j'aime pas les nouveaux objets. Hein. Je tiens à le signaler. C'est complètement cheaté. Un noob peut gagner contre un fort hein, avec ces objets-là. Tellement que c'est. Non. Tellement que c'est n'importe quoi. Il peut gagner contre un PGM. Moi, je peux gagner contre le meilleur du monde, quoi. Avec un objet pareil. Des fois, ça nous pop dessus, bah, comme là, la banane. Mais bon, la banane, c'est un peu pourri. Ouais, tous les nouveaux objets qui sont arrivés, c'est des objets complètement cheatés. Une one shot. C'est un peu n'importe quoi. Bon, voilà. Mais à chaque fois, quand j'ai des nouvelles techniques. C'est toujours sur des persos complètement moisis. Là, c'est sur Rob. Bon, s'en fout un peu, quoi. Un perso, je vois pas ce qu'il fout là, en fait. Nous voilà le combat final contre Créama et Démaniaque. Je me souvenais plus de son nom, c'est Démaniaque. Il y avait marqué, donc c'est pour ça. Démaniaque, je crois qu'il est apparu pour la première fois sur GameCube. Je sais pas s'il était sur Nintendo 64. Je pense pas, mais je suis pas sûr. Ah, je me fais défoncer. Mais bon, on est en facile, je crois, ou une difficulté pas terrible, donc je pense qu'ils vont pas se transformer. Et parce que la particularité de cet épisode, c'est que plus on met une difficulté haute, plus bah, ils sont costauds à la fin et plus bah, ils ont des transformations, quoi. Je crois qu'ils en ont 3 en tout, au maximum. Quoi. Donc 4 formes, hein, en comptant celle-là. Et en vous expliquant des trucs, je suis un peu n'importe quoi. Mais peut-être qu'avec Ryu Hazuki, je me débrouillerai mieux. Oula, un vortex! Et voilà. Les deux sont morts. Voilà. Les deux gants. On se demande qui a eu l'idée de créer un boss quand même, comme ça. Un gant quand même. Un gant tordu, étrange. Voilà, vous pouvez voir que j'ai pas non plus fait énormément le mode classique. J'ai pas fait tous les persos, mais c'est pas grave. Oh là, c'est le générique, on va passer à fond. Que sinon il y a trop de. Bah c'est trop lent. Bah, donc, on s'en fout un peu du générique, franchement. Ah, on peut faire le zouave derrière. Se téléporter. HTTP, je sais pas quoi, je sais pas de quel site il voulait parier. Et je vous laisse admirer les 8 secondes de Mewtwo.
Et voilà, ce fut la fin de ce mode classique avec Mewtwo. Donc maintenant on va s'attaquer avec Roy. Roy, un puissant combattant qui a exactement le même coup que Marthe. Donc je sais pas comment... Je sais pas si là ils ont changé ses coups. En fait il est à peu près comme Marthe sauf qu'il est plus puissant. Il est peut-être moins rapide, je sais pas. Enfin, non, je crois qu'il est plus puissant que Marthe et puis basta. Hein. Et Marthe, il est un peu obsolète. Hein. Il a exactement les mêmes coups, hein, en tout cas dans Melee. Ah, et aussi, l'un des rares jeux sur Wii où il y a très peu de temps de chargement. Où les temps de chargement sont pas très longs. Donc. Ouais, parce que la Wii U, c'est chargement lent. Hein. Sur Wii U, je veux dire, ouais. J'avais dit oui. Vous m'avez compris, je pense. Fail. Fail au rapport, purée. Comment est-ce possible? Je joue assez mal. Allez, d'accord. Il nous fait sa chop. Vite. Pokémon! Attrapez-les tous! Ah, pourquoi je. Ah, mais c'est lui qui l'a! Depuis quand il l'a, lui? Oh, purée. Ok. Allez, Roy! Le public t'acclame! Elle est toujours. Il y a toujours à peu près les mêmes bruitages que dans Brawl. Dans Melee aussi, il y avait le public qui nous acclamait des fois, mais ils étaient un peu discrets dans Melee. Ouais, on va se friter à Donkey Kong et Dunk Hunt. Alors, faut pas dire Duck Hunt, il faut dire The Hunt. Comme a dit le présentateur. Super accent. Bon bah je pense que Donkey Kong là il est un peu mal. Il est un peu mal en point. Purée. Ça la petite chop, j'ai loupé. Oh purée. Il y a un frère marteau. Frère marteau, je pense qu'il était déjà sur Wii. Bon c'est un assez simple. Là c'était un niveau de mêlée. Représentant Yoshi, enfin Super Mario World. Ah oui, là c'est un niveau d'Animal Crossing. Attention, ça va être du haut level au niveau graphisme. Ah, et puis dans cette version Wii U, il y a eu pas mal de nouveautés par rapport aux épisodes précédents. Enfin, pas mal de nouveaux persos. Et aussi de nouveautés, hein, mais aussi ils ont enlevé le mode aventure. C'est un peu dommage, mais bon. C'est vrai que le mode hémisphère subspatial, je sais pas quoi, bidou chouette là, sur Super Smash Bros. Brawl, je sais même plus le dire. Et bien, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça, c'était un peu répétitif. Mais sinon, je trouvais sympa par contre le mode aventure dans Melee. C'était rapide, mais c'était sympa. Ah, puisque c'est ce qui était fort sur Wii, et ben on pouvait jouer à deux pour le mode aventure. Donc c'est vrai que ça manque un peu, mais à la place ils ont mis pas mal de nouveautés, notamment voilà les défis avec Créamain et des maniaques. Ben, voilà, il y a un pass pour Créamain et des maniaques, hein, c'est notre pote Ike qui l'a. On va prendre Donkey, parce que c'est lui le guerrier qui est fier d'avoir moi comme maître. Et
Et puis à chaque temps de chargement, et ben on a quelques conseils, voilà. La plupart du temps, c'est sur le perso qu'on a, ou aussi le perso qui est avec nous. Donc ils auraient pu mettre un truc sur Donkey Kong. Oui. Ouais, j'ai... Ah là, je suis devenu Samus, là. Avec mon super propulseur de la mort qui tue tout. Purée. Attends, et Donkey Kong, il est mort dès le départ. C'est un noob. Donkey Kong, là, c'est un noob. Il a fait n'importe quoi. Il est défoncé par Luigi. Ah. Bon, il y a Ike qui s'enfuit. D'accord. Bon, là, faut esquiver. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est fail. C'est pas une nouveauté, ça vient de la Wii. Super Smash Bros. Brawl. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, on va défoncer Luigi en premier là. Parce que Luigi là, on sent qu'il a du talent là. Il vaut mieux le battre en premier parce qu'il a défoncé Donkey Kong en une seconde. Et je peux pas accepter ça. Ah. Bah, ils ont pas changé les attaques de Roy. C'est toujours les mêmes que dans Melee. Avec un peu plus d'effet, attention d'effet. Ok, je l'ai complètement défoncé. Ça passe de... Oh mon dieu, il a récupéré un objet cheaté à... Victoire. En 3 secondes. Il y a une nouvelle attaque pour Pete. Au moins un personnage intéressant, voilà. Enfin. J'ai envie de dire enfin. Oui, j'ai des attaques, mais pour les personnages les moins intéressants. Vous avez une nouvelle attaque pour Ness. Ah, et en plus, il y avait aussi un autre DLC pour télécharger, enfin pour avoir comme nouveau perso Lucas, bah, qui est la copie conforme de Ness, hein, faut le dire. Et franchement, moi, non, ça m'intéresse pas. Surtout Ness, je le déteste comme perso. C'est pas possible. J'aimerais qu'il soit plus dans Super Smash Bros, mais. Je sais pas si un jour ils vont faire l'enlever de Super Smash Bros. Ok. Mais ouais, Marthe il est sympa, mais le problème c'est que maintenant que j'ai Marthe, maintenant que j'ai Roy, je veux dire, et ben je vais plus prendre Marthe. Ça va être con. En fait, Roy il a à peu près les mêmes attaques que Marthe, mais il est plus puissant. Elles sont plus puissantes et elles sont aussi rapides en plus. Et il attaque. Enfin, ses attaques sont de type feu, voilà. Il peut brûler ses adversaires, donc quand même. C'est quand même un peu mieux que Marthe avec ses simples petits coups d'épée. Et puis il se rattrape mieux que Marthe. Il fait un plus grand saut. Qui est moins rapide, mais qui est plus grand, quoi. Donc c'est mieux pour se rattraper. Et voilà. Je me fais défoncer. Freestyle! Ah, j'ai défoncé Fireflam. Je crois que c'était le mid Fireflam. Voilà, il se fait défoncer. Oui, puisqu'il y a aussi les mid de la console. Voilà. C'est les mid choisis au hasard de la console et aussi des mid bah, comme ça. Vite fait, quoi. Des mid chargés par la console au dernier moment, quoi. N'ont pas trop de charisme. Mais bon, un Mii qui a du charisme, c'est pas possible. Et voilà, donc nouvelle attaque pour Zelda, je m'en fiche, mais pour Pete, ça fait plaisir. Ah,
mais j'ai encore fail, donc là je suis simplement en difficile. C'est naze. Alors il faudra enlever les objets. Sans objets, ça sera moi le patron. Voilà, la main ma boule, avec la main chelou, qui se promène dans des endroits un peu sombres. Elles sont vicieuses ces mains, je vous l'avais dit. Ah, purée. Moi j'ai failli fail. Je sais pas si avec Marthe j'aurais pu me récupérer comme ça. Mais je pense pas. Purée. Je fais n'importe quoi. D'habitude je les défonce vite fait là. Voilà. Fail. Voilà, là, leur première transformation, je crois que c'est une épée, voilà. Enfin, plusieurs épées. Par contre, ils sont super résistants. Enfin, elles sont super résistantes. Alors, on peut faire un contre comme avec Marthe. C'est vraiment les mêmes attaques que Marthe. Hein. Mais en mieux. Voilà. C'est les mêmes attaques que Marthe, mais en mieux. Parce que Marthe, je l'aime bien comme perso, mais quand tu le compares à Roy, voilà quoi. Roy est 10 fois mieux. Alors là, c'était esquive au dernier moment. J'ai failli à presque toutes les attaques sauf la dernière, qui était la plus meurtrière. Et. On va charger. Quoi, c'est déjà à la fin là, quand il copie notre perso? Surtout qu'il est pourri d'habitude. Donc si je fail là, c'est n'importe quoi. Bon d'accord. C'est la première fois que je me fais toucher 2 fois. Allez d'accord. Et je me fais défoncer, voilà. Première fois que je me fais toucher 2 fois contre lui. Et je me fais défoncer aussi. Ah, mais bien sûr, c'est la magie du direct live. Oh là là, mais c'est pas possible. Bah, il vient ou pas? Ah ok, il te fait des combos de ouf. Ok. Mais viens! Chochotte! Et voilà, maintenant faut défoncer la petite boule qui ressemble fortement à... comment ça s'appelle déjà? Un smash ultime quoi. Truc qui est apparu dans le Super Smash Bros Brawl. Et voilà. 54%, c'est nul. Je me suis fait défoncer. Oh là là, encore, mais encore Rob. J'ai toujours des attaques de Rob. C'est ouf. En fait, il nous donne les attaques des persos les plus pourris en premier, en fait. Mais moi aussi, quand on prend le personnage, comme par exemple j'avais pris Donkey Kong, et ben, je pouvais aussi avoir pas mal de techniques sur Donkey Kong. Là, c'est d'ailleurs bizarre que j'ai pas eu de technique de Roy. Mais bon, tant pis. Bah, passer plus vite. J'adore le petit lag au début quand on passe vite fait le générique. Enfin, les crédits. Il est super rapide, Roy. En plus, il est plus rapide que Marthe. Ah bah dis donc. Il a tout pour plaire. Hein. Félicitations. Puis, je me souviens, il était complètement cheaté dans Melee avec le... Allez. J'aurais dû vous laisser montrer cette magnifique... Enfin, tant pis. Magnifique représentation en 8 secondes de Roy. Et maintenant, la surprise de la vidéo. Vous avez peut-être avancé la vidéo pour arriver ici. Et oui, mais c'est bien sûr. Et Ryu, le beau gosse. Donc c'est parti, on va mettre en expert, en impossible, parce que là on est des fous, on est des maboules. Non, j'ai pas trop envie. On va mettre périlleux. Voilà.
Avec Sonic, vous avez vu, j'étais allé assez loin. Bon bah, on va défoncer notre rival ou... Allez, hey, ils sont que 3 là. Ah non, ils sont que 2, là c'est mieux. Enfin, même si Pac-Man, il est super chiant. Mais bon. Ah, parce que Pac-Man, c'est l'un des adversaires les plus puissants. Hein. Ah, il est imprévisible ce perso. Alors, est-ce qu'il va nous faire le Shoryuken Hadouken? C'est parti, nous allons voir tout ça tout de suite. S'il fait pas ça, c'est n'importe Nawak. Hein. C'est la représentation de Ryu quoi. Ah purée. Ah bah voilà, le Shoryuken, c'est pour se rattraper. Et le Kakakaneken. Ah, le coup de pied quoi. Ça veut rien dire. Kakakaneken. Hadouken, je me disais bien que c'était juste pour le bouton B. Ah purée. Ah, le Shoryuken. Ah, normalement il faut faire un petit quart de cercle et en avant avec quart de cercle et bouton B, un bouton point. Avec la manette Xbox, je crois que c'est bouton X, oui. Le point. Oui, parce que j'ai Ultra Street Fighter 4. Bien sûr, je vous avais fait aussi un vidéo test sur Street Fighter 2. Turbo. Attention. Sur Super NES. Sur émulateur, bien sûr. Voilà, je les défonce, mais complètement. Ah, je vous laisse écouter cette musique. Ça fait pas du tout crédible. Bah, si vous avez pas reconnu, bah, c'était dans comment Starwind, bah, Star Fox premier du nom sur Super NES, un thème cultissime. Et voilà, Roy est hors combat. Il a rien compris à sa vie. Après, à partir, sur le combat contre Draco Feu, Diddy Kong, le beau gosse, avec sa casquette, Nintendo, publicité. Voilà, comme vous voyez, c'est... Voilà, faut pas tester, hein, c'est le meilleur jeu de la Wii U, voilà. Juste après, il y a Mario Kart 8, il y a Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et voilà, le premier pour moi c'est celui-là. Surtout faire des parties entre potes de Super Smash Bros, c'est épique. Ah, le meilleur jeu de combat pour moi c'est celui-là. Voilà. Après, c'est vrai, j'ai une petite préférence pour Melee. En tout cas pour la maniabilité, encore une fois. Parce qu'en fait, ce Super Smash Bros. For Wii U, c'est une fusion entre Melee et Brawl. Et je sais plus où je suis. D'accord, je suis là. Je suis complètement paumé. Oui, on est complètement paumé quand on est 8. C'est un peu n'importe quoi. Bon, ça peut nous montrer ce dont est capable la Wii U quand même. Afficher 8 combattants, super détaillés. En full HD 1080p 60 fps, c'est tellement beau. Voilà, de nouveaux trophées.
nouveaux trucs un peu inutiles. Bien sûr aussi on déverrouille aussi les trophées des combattants. Comme bah voilà les trophées de Ryu, de Roy et de Mewtwo. Par contre je sais pas s'il y a des nouvelles missions, on va regarder ça ensemble. S'il y a des nouvelles missions qui sont spécifiques à ces persos. Pour Ryu, je pense pas trop. Mais pour les deux autres, je pense que oui. Ils vont sans doute rajouter. Ryu, c'est surtout pour les fans de Street Fighter, je pense. Ils ont fait plaisir, Nintendo. Avec l'accord de Capcom, bien sûr. Franchement, Ryu, il est super bien modélisé. Hein. C'est assez bluffant. Je trouve mieux réalisé que dans Ultra Street Fighter. Bon, en même temps c'est pas non plus extrêmement hard parce que Ultra Street Fighter il date un peu ce jeu maintenant. Enfin Street Fighter 4. Purée. Ok. Fail contre Amphinobi. Super un Pokémon quoi. Oh il a jeté un objet cheaté. J'ai de la chance. Ah, c'est vraiment les mêmes coups que... Attends, on voit même pas... La queue de Tanuki. Oh purée. Capcom, je pense que Nintendo, ils ont pas montré ça à Capcom. Sinon, ils auraient refusé de mettre Ryu dans ce jeu. Hein. C'est pas possible. Il est ridiculisé, là. Déjà qu'il était pas très crédible avec une fleur. Alors là... Ouais franchement c'est une bonne surprise hein, d'avoir Ryu quand même. Parce qu'encore Mewtwo et Roy, bah, c'est des persos de mêlée quoi. Super Smash Bros mêlée. C'est un peu une honte d'ailleurs qu'il soit livré en DLC. Sinon pour Ryu c'est une grosse surprise quoi. Je m'y attendais pas du tout. Ça c'est en allant comme ça au purée au Nintendo eShop que voilà j'ai vu Ryu. Ah d'accord. Hadouken! Bon, c'était un peu de la merde. Ah. J'ai fait un peu de la merde. Ah, purée! Il a fait la permutation là. C'est pas possible. Pourquoi t'as copié les techniques de Naruto? On aura Naruto prochainement. Purée, mais j'y crois pas! J'ai encore perdu! C'est quoi cette blague? En plus, il était tout seul et j'avais deux vies. C'est magnifique. Je continue mais c'est juste pour la vidéo hein. Sinon j'aurais pas continué. Non vaut mieux pas trop continuer en fait quand on perd je crois. J'aurais préféré recommencer et voilà. Et faire un meilleur try parce que là je fais un peu de la merde. Bon il y a une petite fleur on va pas la prendre. Sinon Ryu il va pas être crédible quoique ouais. Il est tellement chiant que voilà on est obligé de se ridiculiser pour l'avoir. Purée. C'est quoi cette blague là? Ah et Ryu je crois qu'il faut avoir un temps d'adaptation avec ce perso parce que. J'y arrive pas. Ah, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les mêmes coups que dans le jeu, quoi. Dans Street Fighter 4. Même le 2, hein. Ils ont pas trop changé Ryu. Ils ont pas trop changé ses coups. Okay, je sais pas ce qu'il fait, ce Pokémon, là. Ou ce machin minule chouette, je sais pas ce que c'est. Putain, je sais même plus où je suis. Ah ça c'est les bombes de Bomberman. Putain. Je pars. Mais purée j'ai cru que j'avais fait une esquive. Oh non et s'il me tue là non c'est magique.
Non, c'est bon. En même temps, j'étais à 0%. Ah donc! Enfin! Putain, il est super résistant, hein, au Shinobi. En défense, là. Je peux dire que. Niveau défense, c'est un pro. Et attaque aussi. Allez, on va défoncer Link. Et Ike, l'un de mes persos préférés, Ike, hein, dans Super Smash Bros. Depuis qu'il est arrivé dans Brawl. Il est très bourrin en fait, mais il est pas rapide. Il est assez lent, mais il est très bourrin et franchement, c'est un très bon perso quand même. Il est pas non plus trop lent comme Ganondorf. Oh purée, Ganondorf, c'est. Tu diriges un char d'assaut. Donc j'ai l'impression que le robot là, il a une bombe sur lui qui va exploser d'une minute à l'autre. Purée. Ah, Dokkan! Là, bien sûr, on a un thème de Fire Emblem et je me fais défoncer. Fire Emblem sur Wii. Radiance Dawn. Je crois. Purée. Voilà, je m'appelle Buzz l'éclair. Buzz l'éclair Ryu. On va passer. Et il reste plus que l'ennemi. Et j'ai joué comme une merde. Faut le dire. J'espère que je vais me rattraper contre Créama. Parce que. Ce sera peut-être pas mal. Et ça fait déjà 45 minutes. C'est incroyable. Alors, on va voir le Mi Fireflav. Bon, ça c'est mon Mi. Bon, classique. Ah, le Mi Fireflav. Avec son regard pervers. Bien sûr. Ça représente très bien le personnage. D'ailleurs, Fireflav est de retour sur la chaîne. Oliver Flav, attention. Enfin, même si... Voilà, je vous mettais des vidéos sur Silent Hill et il était là, avec moi. Mais il est de retour pour faire des vidéos seul. Attention. Ça va être du lourd. Même si je pense qu'il va pas faire beaucoup de vidéos, quand même. Même s'il a un nouveau PC, ça rigole plus. Aïe. Il avait un nouveau PC portable. C'est pas rien. Maintenant il peut faire toujours tourner des jeux de 2006 en 60 FPS. Mince. Okay. Je me moque de lui et il me défonce. Esquive. Purée, mais. Le Summus là, le Summus. Le Summus Mi là, il est puissant. Hein. Ah, vite! D'accord. Voilà, faut pas prendre une étoile en fait. Ah, ça c'est la bombe. De The Legend of Zelda. Mystic Cache ou un truc comme ça, je sais plus trop le nom. Enfin, quand Link est dans le train, voilà. C'est. Sur DS. Ou Track, je sais plus quoi. Je sais plus le nom. Bon, c'est pas un jeu qui m'a forcément intéressé parce que j'ai fait que un donjon. Je me suis un peu fait chier. Je sais pas, Ils ont pas la magie des Zelda. Enfin, les Zelda sur console portable. Je parle pas de sur Game Boy Advance par contre, sur DS. Ils ont pas la magie d'un Zelda sur console de salon. Sur console de salon, moi j'ai tous fini, hein. Et puis, vraiment rapidement, Wind Waker, j'étais bloqué une fois, je sais plus trop comment, mais bon, en même temps, on est souvent lâché comme ça dans la mer, et puis voilà quoi. Dans Wind Waker, on n'est pas du tout assisté, on doit se démerder. C'est pour ça que j'étais à moitié bloqué à un moment, un donjon. Donjon du vent, je crois. Oui, c'était ce fameux donjon où j'étais bloqué, et pourtant c'était une énigme très facile. J'étais complètement con à l'époque. Purée! C'est pas possible! Avec ses mains de merde! D'accord.
Voilà, on le secoue comme un gros porc. Je joue très mal avec Ryu, c'est incroyable. Ouais, crise d'épilepsie du gant. C'est parti, allez, il va se transformer en chien là. Attention, hein. C'est un chien enragé, il ressemble pas mal au chien dans Resident Evil 4. Merde. Oh, mais c'est pas possible. D'accord. Il esquive, tu sais pas comment. Enfin, non, c'est juste que sa hitbox, elle est bizarre. J'ai jamais rien compris à la hitbox du chien. Pieux. Ouais, il est enfin mort. Enfin, ça va être plus long, l'épée. Purée. Esquive. Esquive du beau gosse Ryu. Même si pour l'instant, Ryu, tu te démerdes très mal. Purée. Bon, voilà, je suis mort. C'est super. Merci d'avoir combattu. En gros, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique cette vidéo, comment je joue comme un noob. Mais en même temps, dans Super Smash Bros, c'est pas en jouant pour la première fois ou avec le personnage avec lequel on n'a jamais joué, quoi, qu'on va tout de suite bien se démerder. Faut quand même bien connaître les patterns du personnage qu'on contrôle pour pouvoir bien se démerder, quoi. Purée. Par contre, les gants, à chaque fois, quand ils sont deux, là, chaque fois, je me faisais pas toucher, ou alors une fois. Me faire toucher une fois, au pire. Ah, ils sont super simples, normalement. C'est là, bien sûr, que ça se complique, là, avec le chien, là, j'ai jamais rien compris à ses attaques. Purée, mais... Là, il attaque directement, quoi, c'est... On sait jamais quand il attaque, en fait. Là, par exemple, il a mis du temps, des fois, il va mettre 2 secondes. Il est imprévisible ce chien. Ce chien en forme de plante carnivore à moitié. Sur l'électricité. Il fait très souvent cette attaque là. D'habitude il la fait pas très souvent. D'habitude l'attaque qu'il fait le plus souvent, voilà, c'est quand il tombe comme ça ou quand il nous mord. Voilà. Ah, purée, mais il l'a fait encore celle-là. C'est la joie du live. La joie de la vidéo, du direct live, c'est magnifique. Il fait des attaques cheatées alors qu'il les fait presque jamais, d'habitude. Ok. Enfin, les épées aussi, sont très compliquées à esquiver. Pourquoi il s'est pas accroché? Ah, mais c'est parce qu'il a des gants de boxe, hein. C'est compliqué pour Yu de s'accrocher à une rambarde. Oh purée. Oh non, pas ça. Pas cette attaque cheatée. Bon. Voilà, le cut canicum. Dans la manche de l'épée. Rien compris. Ouais, concentration là, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Je dirais que je commence déjà à faire n'importe quoi. D'accord, je voulais pas le faire aussi tôt. Mettre la musique épique de Ryu là. Non, allez, j'arrête. Je chante très mal. Et voilà, j'ai réussi, je me suis plutôt démerdé correctement. Mais si d'habitude je joue pas aussi mal à Fury ici. C'est fou quand même comment on joue mal quand on filme. Surtout à des jeux comme ça où ça se base surtout sur la skill et pas sur la résolution d'énigmes.
Donc on va voir ensemble s'il y a des missions. Bon, j'ai déjà le trophée de Ryu, hein, donc ça sert pas à grand chose. Je crois qu'il nous donnait, ouais, dès le départ, les trophées. Les persos. Bah après, je sais pas si c'est les trophées qui sont équivalentes aux trophées classiques. Parce que aussi, après, il y a les trophées All-Star. Le mode All-Star qu'on débloque normalement quand on finit, quand on a tous les persos. Mais dans cette version Wii U, on a le mode All-Star dès le départ. Même quand on n'a pas tous les persos, donc... Donc c'est plutôt sympa. Sachant que les persos sont... Les premiers se débloquent très facilement. Puis par la suite, ça va être plus compliqué. Hein. Faut surtout regarder, en fait, les quêtes, les missions à faire, voilà, pour les avoir. Sur ce... Je vais vous laisser... les 8 secondes de Ryu. Ah, je vous avais pas dit, mais il y a aussi, oui, quand on prend Ryu, il y a en même temps le stage avec le stage correspondant à Ryu. Donc c'est sympa. Bien sûr, pris de super de Street Fighter 2, j'allais dire super parce que c'est sur Super NES et que des super. Donc, attends, on va voir l'émission événement. Voilà, événement. S'il y a eu des nouvelles missions à faire, je pense pas trop. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Ah, ils se sont pas fait chier, hein. Ils ont pas fait des missions correspondant au perso qu'on vient d'acquérir. C'est un peu bête. Ouais. Bah, vu que c'était un DLC, ils avaient un peu la flemme de aussi changer un peu l'événement. Attention, ça a tout perturbé sinon. Ouais. Ça va plus être un beau carré comme là. Hein. Voilà. Il va y avoir des événements en trop. Donc voilà, bah, c'est des persos sympathiques, hein, Mewtwo, Roy. Bon, maintenant je sais que je prendrai plus jamais Marthe. Pourtant, Marthe qui est un bon perso, mais quand tu le compares à Roy, voilà quoi. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Roy, c'est. Il est un peu cheaté par rapport à Marthe. C'est Marthe, mais en Super Saiyan. Et Mewtwo, bien, je pense que là, il est plus intéressant. Que sur GameCube il était vraiment faible. Là je le trouve vraiment assez costaud quand même comme perso. Et puis Ryu, Azuki, je me suis très mal démerdé avec ce perso. Ça se ressentait dès le départ. Et j'espère que je me débrouillerai mieux. Mais je sens que il a du potentiel, Ryu. Il a du potentiel. C'est un perso assez complet et assez, on va dire, assez rapide. Et puis pour se rattraper, le Shoryuken, c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, voilà. Je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et je pense que bah, le vidéo test ne va peut-être pas tarder. Hein. Je ne sais pas, mais c'est sûr, je ferai un vidéo test sur ce jeu incroyable qu'est Super Smash Bros. For Wii U.